Salut Sophie, j'adore ta veste. Ah merci. Coucou. Salut. Ça va? Oui, ça va. Oui. On y va? Ouais. T'as fait le devoir de philo? Oui, j'ai terminé hier soir, et toi? J'ai pas fait. D'accord. Garde-la. Aucune dignité. Maintenant, enlève le bas. Il sort avec la mère de... Tu fais quoi là? Dégage! Pas de salope à la table. Bon, ça va! Ah là là, c'est cru. Vas-y, passe ta couette. C'est combien le striptease, hein? Mais t'as bien accompagné ton mec, hein? Franchement, ouais. Mec, tu vaux mieux que ça. Vas-y, viens là. Mais ça va, des putes comme ça, moi. Ça dégage, on pas de toi. Sale pute de Sophie, dégage. Allez, dégage, on pas de toi. Vas-y, je peux pas. Ah, c'est la merde, oh là là. Wesh, quand même, Sophie, on rigole. Wesh, ça y est. Du coup, Sophie est rentrée chez elle? Oui. Okay. Mais c'est qui envoie la photo? Non, c'est toi? Elle l'a mérité. Oh, t'as géré. Oh, pas beau. On va en cours? Ouais. C'est moi, je sais pas par quoi commencer. Je voulais pas que tu la vois comme ça. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui ai envoyé la photo. C'est Clara et ça me saoule. J'ai l'impression d'être stupide.
merci d'être venu. Si vous avez des questions à nous poser par rapport au court métrage. Allô? Allô Marie? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas te déranger, mais est-ce que tu as réussi à joindre Léa depuis la première? Non, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était vendredi soir. Ah non, c'est parce que depuis deux jours, son erreur c'était la charge. Mais en fait, elle répond pas, et du coup, je me demandais si t'avais réussi à lui parler. Non, en plus, je lui ai envoyé un message hier soir, mais elle m'a pas répondu. Donc, après, ça fait quoi? Ça fait 4 jours quand même. Bon, peut-être qu'elle est malade, je sais pas. Après, je peux peut-être aller la voir vu que j'habite pas hyper loin de chez elle. Je veux bien, pas de soucis, ce serait bien. Ok, bon, j'y vais. Je vais voir quel train je peux prendre et je te tiens au courant du coup. Ok, pas de soucis. Ok, super. Ça va? Je peux rentrer? Tu vois le soir après l'avoir connu. C'est sympa, on a fait le scénario en un mois et puis après en deux mois de tournage c'était fini. Oui. Comment vous avez eu l'idée de faire ce genre de scénario? Pendant mon enfance j'ai été harcelée. Depuis, il te suit partout? Partout. Il me suit au travail, il me suit en bas chez moi. Je sais plus quoi faire. J'ai peur. Tu vas t'habiller et on va aller au commissariat ensemble pour porter plainte. Je crois qu'il est derrière nous. Lâche-moi! Alors comme ça tu me dénonces à la police? Mais arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour toi que je suis venue, Sophie. Mais quoi? C'est pour elle que je suis venue. Et je vais te faire regretter tout ce que tu lui as fait. L'actrice de Easy to Reality, Léa Kavinsky, a été agressée par un jeune homme déjà recherché par la police pour agression à l'encontre de plusieurs jeunes femmes. Ce dernier serait atteint d'une maladie mentale du discernement. Il aurait confondu fiction du film et réalité. Il vient d'être arrêté par les... Le harcèlement est un délit très grave, puni par la loi de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Vous n'êtes pas responsable des conséquences que peut engendrer Internet, ni de la haine que vous pouvez recevoir. Internet n'est pas toujours votre ami, il peut aussi être votre ennemi. Si vous êtes harcelé, parlez-en. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Faites preuve de discernement, la fiction n'est pas la réalité.